En cette année des 35 ans de Richard Carr, on remet le couvert de temps en temps avec ici un répertoire qui personnellement me tient très fort à cœur, c'est les motets des ancêtres de Jean-Sébastien Bach. On l'avait enregistré en partie avec Philippe Herouëg et Eric Van Nevel au tout début de Richard Carr. C'était d'ailleurs l'un des tout premiers disques du Collegium Vocale de Gand. Tempus transit, l'eau coule, Bach, dans les ruisseaux et dans les rivières. Et maintenant, c'est Vox Humanis qui reprend ce flambeau de la polyphonie chez Richard Carr, avec le chœur de chambre de Namur pour d'autres types de programmes. Et ici, on retrouve ces motets des ancêtres de Jean-Sébastien Bach dans leur intégralité, ce qui est pour moi un très très beau projet qui correspond exactement à cette très belle lignée de la recherche sur la musique protestante allemande de l'époque luthérienne. Et c'est bien de Richard Carr pur et dur, puisqu'au début on commençait avec ce qu'on connaissait, puis on rajoute des motets découverts et on arrive à cette intégrale. C'est une musique qui est absolument passionnante et je crois que les gens qui pourront écouter ces coffrets vont découvrir cette musique avec sa diversité et sa richesse, ce qui est faite de deux éléments. Le premier élément, c'est le fait que cette musique polyphonique est basée sur une vieille tradition qui remonte à Josquin des Prés, qui était propagée d'ailleurs par Martin Luther lui-même. Le deuxième élément, c'est que cette musique est un écrin extraordinaire pour les mélodies de chorale qui sont quasiment omniprésentes dans tous ces motets, et on remarque que les compositeurs, ces membres de la famille Bach, manient cette intégration du choral d'une façon extraordinaire, un peu comme des organistes incluent le choral dans les fantaisies d'orgue. Il y a en fait un troisième élément qu'il faut ajouter à cela, c'est la découverte pour ces compositeurs allemands du langage italien et du madrigal, car finalement dans tous ces usages de chorale, très très fréquemment ces compositeurs cherchent à trouver les petites figurations musicales qui font que certains mots commencent à vivre différemment et prennent vraiment leur véritable sens. Leben, Tod, etc. Tous ces mots ont un véritable sens grâce aux figurations musicales héritées du principe du madrigal. Donc trois éléments, Josquin des Prés, la polyphonie, le choral luthérien et l'influence du madrigal italien. Voilà les recettes des ancêtres de Jean-Sébastien Bach et de Jean-Sébastien Bach aussi. Nous avons poursuivi ce travail autour des motets de la famille Bach avec ce que je qualifierais d'un coup de chance. Ce coup de chance est l'invitation du musicologue Joshua Rifkin, célèbre musicologue pour la musique à un par voix, ou en tout cas l'interprétation de la musique baroque à un par voix, notamment de Jean-Sébastien Bach. Il est tombé sous le charme de notre ensemble de Vox Humanis, du fait que nous chantons un par voix, mais également du fait que nous avons un groupe régulier, un groupe de chanteurs qui se retrouve toujours, et il avait envie de travailler avec nous, mais aussi de nous faire visiter Arnstadt. La ville d'Arnstadt est connue pour Jean-Sébastien Bach, car il a eu son premier poste d'organiste en 1703, à l'âge de 18 ans. Il n'y est certes pas resté longtemps, mais c'est forcément une ville qui l'a marqué, et tout le monde maintenant visite ce qu'on appelle la Bachkirche, l'église Bach, puisque c'est à cette église qu'il a eu son poste. Mais l'église principale, à l'époque, ou en tout cas avant Jean-Sébastien, était la Oberkirche. Pourquoi je parle de la Oberkirche ? Il s'agit en fait de l'église principale de la famille Bach. Il n'y a jamais eu autant de membres de la famille Bach que dans cette église, et en tout cas, c'est là qu'on a retrouvé les Altbayerisches Archiv. Cette musique écrite donc par de nombreux membres de la famille, dont certains des motets que nous avons enregistrés dans ce double CD. Ce qui a été intéressant pour nous, c'est d'entendre une acoustique, en fait, qui a été utilisée pour chanter ces pièces. Souvent, on a l'habitude de dire que les acoustiques en Thuringe sont plus sèches que les églises romanes ou gothiques de notre coin de l'Europe française et belge. Mais nous avons été surpris en visitant donc la Oberkirche et en y chantant que l'acoustique soit relativement longue. Alors, pourquoi ne pas enregistrer donc dans une église qui a une acoustique également assez longue ? Ça a également eu une influence sur la recherche du tempo juste. Si on partait du postulat que toutes les pièces ont été données dans des acoustiques très sèches, nous aurions accéléré de nombreux tempos, notamment les pièces de Noël.
Or, en visitant cette église et aussi d'autres, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une relative longue acoustique. Donc, si on chantait trop vite, nous perdions de la compréhension du texte. Mais en voulant trouver un tempo juste, tempo giusto, de l'époque, puisque leur préoccupation majeure était de pouvoir comprendre le texte à cette époque. Donc s'il y a 2 ou 3 secondes, voire 4 secondes d'acoustique, si on chante trop vite, ils n'avaient aucune chance de le comprendre.